La coupure de ruban marque l'inauguration officielle du centre de formation et de fabrication des tricycles aux personnes vivant avec le handicap. Ce centre comporte un magasin, un bureau, un château d'eau et un hangar. C'est une initiative de l'Agence turque de coopération et de coordination TICA. Cet édifice sert désormais de cadre de formation et de rassemblage de tricycles aux personnes vivant avec un handicap. Ce centre de fabrication de tricycles est un projet de développement durable qui cadre parfaitement avec les besoins de la population du Tchad, car elle permet aux bénéficiaires de s'autonomiser également en matière économique et socioculturelle. L'édifice étant implanté et réceptionné, la patronne du genre et de la solidarité nationale laisse entendre que la situation des personnes handicapées est au centre de la politique du gouvernement de la transition. La question du handicap est prioritaire pour le président de transition, à travers lui, son gouvernement, à travers lequel cette question est inscrite en lettres d'or dans le programme politique présenté par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le renforcement donc du pouvoir économique de cette couche est fondamental pour notre agenda au ministère du Genre et de la Solidarité. Pour rendre effectives les activités du centre, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale a remis un chèque de 2 millions de nos francs. Au nom des bénéficiaires, Ousmane Outier a vivement remercié les donateurs. Il invite par ailleurs les autres organisations à suivre cet exemple.